Imaginons que tu recherches des items ou des crédits bon marché sur Rocket League. C'est très simple, il faut aller sur Awea.com qui est le sponsor de la chaîne et vous pouvez bénéficier de 6% de réduction sur vos achats avec le code RADA. Et bien sûr, tu seras livré en quelques minutes. Du coup les gars, c'est parti pour une toute nouvelle vidéo trade sur Rocket League. Alors je compte sur vous pour mettre les 100 likes, pour vous abonner, pour mettre le code créateur RADACORE, le code créateur qui met tout le monde d'accord dans la boutique Rocket League. Et pour ça, rejoindre le Discord, c'est là où je trade avec vous et c'est là aussi où j'achète vos items et vos crédits sur PayPal. En effet, vous me donnez votre item et ensuite je vous donne de l'argent sur PayPal. Après, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et ensuite vous me contactez en privé. Aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou même sur Discord en privé une nouvelle fois ce qu'il faut que je fasse pour améliorer les épisodes trade. Ça m'intéresse vraiment pour améliorer la série. Dites-moi ce que vous verrez de mieux pour l'améliorer tout simplement. Dans cette vidéo, j'ai failli arnaquer un abonné, je vous en dis pas plus, mais heureusement que le live était là, sinon je l'aurais fait évidemment. Je vous embête pas plus et moi je vous dis bon visionnage à tous. Du coup, on commence cette vidéo avec 63 440 crédits. Allez, on va essayer de monter à 65 000, ça serait bien, voire 70 000. Ça serait incroyable par contre. On va bien voir. Avec Quentin, on avait fait d'énormes échanges sur la dernière vidéo et là je lui rachète plein de marchés noirs et tout pour 5150 crédits. Et j'achète aussi, je mets aussi Anneau Diesel, il y a 5250 crédits, je récupère 5800 crédits. Et en vrai, je pense que je peux faire 6300, 6400 crédits, quelque chose comme ça. C'est plutôt pas mal comme trade. Et merci beaucoup à Slow, il était passé dans la dernière vidéo, il nous donne des drapeaux à damier et tout, ça fait super plaisir. Et on achète Tone pour 70 crédits, ça vaut au minimum 100 crédits. Et une vidéo trade de Sambisa, c'est pas une vidéo trade, il nous donne 250 crédits et Cosmosis, enfin je sais pas comment on le prononce, ne vous moquez pas. Je sais pas ça vaut combien, mais c'est une explosion de but très stylée et je l'ai pas encore vu que je joue plus au jeu. J'avance plus dans le Rocket Pass, donc c'est galère, donc merci Biza. Et je suis très généreux ce soir, j'ai mis mes petits trous, c'était les oranges, et regardez ce que je vais faire, je vais quitter, je vais aller trade avec quelqu'un d'autre, on est en live bien sûr, alors pensez à vous abonner si vous voulez, trade avec moi en live, on laisse les roues à Biza, c'est plutôt incroyable. Et on vend Hexagone Volant à Milan, officiel, c'est le vrai. On lui vend Hexagone Volant qui vaut au minimum 150 crédits, on le vend 200, ou je crois qu'il vaut 200 crédits, je sais pas trop. En tout cas, on fait du bénéf. Et on vend Neuro Agitator, j'espère que ça se prononce comme ça, pour 210 crédits, ça vaut au minimum 150, mais ça se vend facilement 200 crédits, alors on le fait 200 crédits, merci beaucoup à toi Alexandre. Et on vend 5 BM pour 510 crédits et XTX nous a mis 3 drapeaux à damier et nos marchés noirs valent 100 crédits unité et on les paye environ 70 crédits. Donc sur ce trade on se fait facilement 100 à 150 crédits. Et on achète les OEM noirs pour 700 crédits. On en a déjà eu il y a pas longtemps, on a réussi à les vendre et là on les achète pour 700 et ça va se revendre facilement 900 crédits, enfin facilement, je sais pas si ça va être facilement. Et on vend faucheuse et gel pour 800 crédits, au total il y en a pour 700 crédits minimum et on récupère 800 crédits, c'est plutôt bien. Au total, avec ces items, on fait 150-200 crédits de bénéfices, on les avait payés en dessous. Et merci beaucoup à Guigui pour son cadeau, ça faisait longtemps qu'il attendait pour trade avec moi, il me fait un cadeau, il me donne 100 crédits et AnodiZ, au total, il y en a pour 200 crédits. Et on vend la Fennec et Garde Tempête, certif vainqueur, la Fennec c'est certif meneur de jeu, il y en a au total, la Fennec je la vends 450 crédits, c'est minimum 400, et Garde Tempête c'est minimum 300, je vais vendre 320. Du coup ça fait environ 770 crédits et Troxwan a mis l'Octane Terre de Sienne pour, qui coûte 300 crédits minimum, plus 300 crédits ça fait 600 et les dynamos qui coûtent 250 crédits. Ça fait 850 crédits mais les dynamos bleu ciel vont être très durs à revendre, on accepte quand même, on va essayer. Et par contre ce camouflage, je savais pas qu'il existait, je joue plus au jeu du coup j'avais pas vu, il est vraiment incroyable, enfin il était vraiment incroyable du coup. Et on achète Trigon pour 70 crédits, ça vaut au minimum 150
crédit, c'est franchement pas mal ce trade. Et on vend Interstellar normal à Emmanuel pour 800 crédits. Et après, il nous a dit qu'il avait un cadeau, donc on va découvrir tout ça. Et merci énormément à Manuel, du coup, il nous donne Octambolite du désert. Et j'avais eu un doute, il valait 3000 crédits, maintenant il vaut 80 crédits, c'est un truc de fou. Un autre sticker sur la Octane et la Twinzer en noir. La Twinzer en noir, je savais pas que ça existait. On va regarder ça tout de suite. Ah bah si, ça existe. Ça coûte environ 300 crédits. Bah je savais pas qu'elle existait en noir. Et à la base, on voulait trade de Fennec Chasseresse pour 20 crédits. Il valait minimum 60 crédits, mais bon, c'est un sticker assez dur à revendre, même s'il vaut 60 crédits. Donc, Wapoy. Bah je sais pas comment on prononce. Wapokia m'a dit de mettre un item nul et du coup il me donne 20 crédits. Merci énormément à toi, ça fait super plaisir. Du coup on vend les Pyros Glitch bah, qui sont toujours là, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Elles valent environ 400 crédits, Quentin qui refuse le trade. Et on a rajouté 140 crédits et là au total il y en a pour 100, 200, 300, 400, 500 crédits. Et Quentin a mis deux petits cadeaux en plus. En gros sur ce trade on gagnait 60 crédit environ. Ah bah en fait on vient de me dire dans le chat que les pyros inversées bah, existaient, elles sont plus glitchées. J'étais resté à l'ancienne, du coup elles valent entre 150 et 250 crédits, donc il faut refaire les calculs. Bon du coup on a rajouté 200 crédits, il y en a pour 400 crédits, je pense même les pyros inversés peuvent se revendre 200 voire 250 crédits, donc il y en a peut-être pour 450 crédits, et là il y en a pour 100, 200, 300, 400 et 500 crédits, et Quentin nous a mis des petits cadeaux avec, ça fait super plaisir. On trade tout le temps avec Quentin maintenant. Du coup merci beaucoup à Quentin, il nous fait beaucoup de cadeaux. Bon déjà on voulait lui vendre avoir la pêche pour 120 crédits, il nous donne 150 crédits, du coup il nous fait un petit don de 30 crédits, plus des petits items rares, merci beaucoup à toi, il y a même les Yaman et un sticker sur la Twinzer qu'on a eu en noir et qui vaut 400 crédits, c'est vraiment pas mal, merci beaucoup Quentin. Et on vend Stipplegate Certi Frimer Middle Price pour 700 crédits, vaut minimum 650 crédits. Et il nous a mis des petits cadeaux, 6 Kia, ça fait super plaisir. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo trade et j'ai failli arnaquer un abonné du coup comme vous avez vu. Heureusement que qu'un viewer me l'a dit dans le chat, sinon bah je l'aurais vraiment arnaqué sans faire exprès évidemment. On a pu faire un peu de bénéfices mais pas des gros bénéfices. J'ai déjà tourné la prochaine vidéo et j'ai vraiment fait des énormes bénéfices dans la prochaine vidéo. Juste le premier trade, c'était vraiment un énorme trade. Et après on a fait des bénéfices à droite à gauche mais c'était pas des trucs énormes non plus mais bon. C'est déjà ça. Du coup, les gars, pensez à mettre le petit like, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo trade.